Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippy, la chaîne d'aventure vidéoludique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on continue le Spider-Man 2 sur PS5. Du coup on va continuer l'histoire principale. On a réussi à séparer le symbiote de Peter là, et du coup il est dans notre dos là. Il va falloir aller voir, je pense, Harry ou peut-être le docteur Connors. Voir ce qu'on fait de ce symbiote. Voilà. Alors, mission principale, n'aie pas peur. Elle est là-bas. Je la vois pas. Ok. Je suis en route pour la tour Oscorp. D'accord. Ouais, voilà. Je vais attendre un petit peu. Tu l'as enfin enlevé. Mon héros. Harry. Il faut vraiment qu'on le détruise. C'est trop dangereux. Je voudrais pas que tu te perdes. Comme moi. Pete. Pitié. Non, tu comprends pas. Connors a dit que je sais pas. Sauver la vie. Et tu refuses de sauver la mienne! Tu préfères que je meure, c'est ça? Harry, est-ce que... Oh mon Dieu. Venom. Bien lui. Morceau. Ouais, il est puissant. Arrêtez! Non, létal! Allez! Enlevez-lui ce truc! Ouais, démerdez-vous, je vous paye pour ça. C'est un peu ça, quoi. C'est moi qui le contrôle, hein. Faites venir Léon.
De rester en vie. Oui. Venom pas content. Depuis le temps, ils ont toujours pas compris que sa faiblesse était la... C'était le son, les sons aigus, quoi. Alors ça, c'est ce que j'aurais fait, quoi. Yeah!
à nous, ça? Bon sang! Non! Il va arriver! Il y a des gens dehors qui trouvent du mal. Pourquoi tu ne réponds pas? Parle-moi! Je peux régler ça! Je peux te sauver! Laisse-moi te sauver! J'ai une fenêtre de tir! Allez, on continue! Sauvez-vous! Il m'échappera pas! Pitié! Pitié! Eh ben... J'ai pris cher, là. Ah, te voilà! Harry, je t'en supplie! Arrête! Ils vont te massacrer, dehors! Je ne veux pas te perdre, toi aussi! Tout ce que tu sais faire, ou il y a autre chose? Arrêtez tout le monde! Chopez-le! Regardez ça! Même pas un pénitent. C'est pas la peine de t'enfuir! J'attends! Viens m'affronter! Je suis prêt! Il va falloir un peu plus que ça! Bien le Kraven. C'est Kraven qui va sauver tout le monde. C'est évident de pourrir encore. Ouais, il se passe quoi là? Il y a un problème de son là, non?
Non, c'est revenu. Ah, le son il est bizarre. Vraiment. Excellent. J'ai longtemps rêvé de ce corps parfait. Noyé dans les flammes. Tirer la langue, Venom. Qu'il y a un problème sonore là. Votre Kraven elle sort pas dans les haut-parleurs habituels. Vas-y, elle rache la tête. Rache la tête. Merci. Ouais. Ah bah c'est bien ça. C'est ce qu'il fait dans le film Venom aussi, il a bien mangé les têtes. Je me dis, c'est ce qu'il va lui faire subir. Et ouais mon gars. Tu es méchant Harry, tu es méchant. Bon, au moins, on sera plus emmerdé par Kraven. C'est un sacré morceau, quand même. Ouais, c'est bien ça, il y a un bug sonore, on n'entend plus sa voix.
Ouais, du coup, si après c'est pas revenu normal, je ferai une sauvegarde puis je recharge. Hein. Pour essayer de réinitialiser la mémoire de la console et que ça recharge les données correctement. Quoi. Ah ouais, carrément. Quoi. En train de contaminer toute la ville. Carrément. Il veut guérir le monde comment exactement? En éradiquant les humains, non? Il semble qu'il y en a, ils aimeraient bien que cette solution soit mise en place. Sauver la planète. Chargerait, ça bug, on n'entend plus les voix. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression de l'entendre, mais super loin en fait, la voix. C'est bizarre. Et alors, on save. Retourne à l'écran titre. J'ai rechargé. Généralement, ça règle ce genre de problème. Ouais, sympa là, l'écran titre. Alors 40%, ouais, 40% c'est au total. C'est l'histoire principale plus tout ce qui est secondaire. Si Harry porte encore son... Ah bah voilà. Je peux le trouver grâce aux antennes satellites d'Oscorp. C'est ce que je disais. Ça allait régler le problème. Dis-moi que tu portes ce badge. Cool, j'ai un signal clair par là. En avant. Le signal se déplace. Il doit toujours être sur Harry. Oh. J'ai été un abruti avec Harry quand j'avais ce costume. Je dois le trouver, lui présenter mes excuses et essayer de le raisonner. Je vais plus très loin, mon pote. Je viens te sauver. Tiens le coup. On va te retirer ce truc. Et je travaillerai avec ton père et le docteur Connors pour que tu t'en sortes. On va y arriver. Le signal s'est arrêté. Bouge pas, mon pote. Essayons de le localiser un peu mieux que ça. Il doit se trouver sous ce passage. C'est quoi tous ces trucs ? Harry, est-ce que t'es là ? Ah, y a que son badge. Peut-être qu'il est encore par ici. Je sais qu'il m'écoutera si j'arrive à percer sa carapace. Ouais, je l'ai trouvé. Harry ? C'est moi ! Hé, Harry, tu m'entends ? Écoute, on va te trouver un remède. Un truc mieux que ça. Harry ! Oh ! Fais pas ! Oh !
Ouais, d'accord, ok. Ça manque un peu de plus avoir la force du symbiote quand même. Nouveau type d'ennemi. Les contaminés du symbiote. C'est encore des sacs à PV. Alors c'est Harry qui a transformé ces gens en symbiotes. C'est horrible. Comment je peux les arrêter sans leur faire de mal? Ces gens sont coriaces. J'ai besoin de l'aide de Miles. Salut, c'est Miles. Laissez un message sympa. Miles, on a un problème avec Harry. Il a récupéré le costume et ça l'a fait briller. On dirait qu'il transforme les gens en symbiotes. Je me débrouille, mais c'est comme frapper de la mélasse. Il faut qu'on trouve un autre moyen de virer ce truc des gens. Rappelle-moi. Il faut que je trouve Harry et que je l'arrête avant que ça dégénère. On dirait que j'en ai libéré un. Restez calme, bougez pas. Ça va aller. Enfin... bougez pas, je vais vous mettre des mandales jusqu'à ce que vous sortiez de symbiote. Dans le mur. Vous êtes sûr que ça va? Ouais, Miles, il faut que tu m'aides avec ces trucs. J'ai eu tes messages. Désolé, j'étais en train de chercher ma mère. Dis, tu sais que Kraven est mort? Quoi? Non? Ah, Miles. Tu crois que c'était Harry? Peut-être. Certainement. Il faut qu'on l'arrête. Ok. J'ai une idée. Quand t'étais sous son influence, certains sons t'affaiblissaient. La cloche. Mais on va pas se trimballer avec. Non, mais j'ai une appli de mixage sur mon téléphone. Je peux recréer les composants sonores de la cloche et les retourner contre Harry et son armée. T'es un génie. C'est cool que t'étudies les technologies musicales. Si tu pouvais aller dire ça au comité d'admission de la fac. Quoi de neuf, Ganky? Ah, t'es là. Ta mère et on moi, s'inquiétait pour toi. Je m'inquiétais pour vous. Je t'ai dit par texto que ça allait. Eh bien, je ne l'ai pas reçu. Parce qu'on était dans le métro, en train de te chercher. On est content que t'ailles bien. Je vais raccompagner ta mère. On se voit chez toi? J'ai un petit truc à faire. J'arrive aussi vite que possible. Faut que j'aille au chantier naval, enregistrer des sons. Ok. Je dois recréer le son de la cloche de Kraven. Quel son je pourrais trouver par ici? Alors, localiser... allez, accroche-toi là-haut. Nickel. C'est la même forme que la cloche de Kraven. Mais en 10 fois plus petit. Il y a de l'écho par ici. Ça pourrait être utile. Comment je pourrais emmener la cloche dans ce hangar? Ce conteneur pourrait faire l'affaire. Si je le fais tomber, l'écho sera pas mal. Yes! C'est dans la boîte. Descends. Ah. Petit symbiote. Arrivé hyper vite.
Je voulais pas faire ça, désolé. Reste encore un peu à terre. Vite, t'avais raison. Ils sont balèzes. Faut que je me rappelle que ce sont des vraies personnes. Je dois finir mon mix avant qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Je dois finir mon mix. C'est l'heure de sonner la cloche. Voilà le moteur. Mais il n'y a pas de courant. Ah, alimenter ça. C'est parti. D'accord. Yes! Super écho dans la boîte. J'y suis presque. Il me manque juste un boost dans les basses fréquences. Une pulsation. Quelque chose comme... Des pales d'hélicoptère, c'est ça. Il faut que j'aille là-haut. Il faut que j'atteigne le rotor. Yes, c'est bon. Oh non. Ils sont bizarres, ils sont roses. Où est-ce qu'ils arrivent ? Pas les mêmes. Ils sont plus forts. Spider-Man ! Des symbiotes sont suivis dans le centre. J'ai besoin de ton aide. J'arrive tout de suite. T'as enregistré tes sons ? Ouais. J'ai plus qu'à trouver comment faire une arme. J'ai un plan pour ça. À tout de suite. Ah non. Spider-Man, des symbiotes m'ont suivi dans le centre. J'ai besoin de ton aide. J'arrive tout de suite. T'as enregistré tes sons ? Ouais. J'ai plus qu'à trouver comment faire une arme. J'ai un plan pour ça. À tout de suite. Pas ces explosions. Dépêche, Pete ! Tu fais quoi ? Je suis là. Je t'ai manqué ? Très drôle. Faut que je transfère ces sons. J'espère que ça va me... Allez ! Vas-y ! Alors, votre impact assommant a été amélioré et remplacé par la charge sonique. Utilisez-la contre les symbiotes pour les affaiblir temporairement. Ça marche ! Bien joué, Miles ! Allons sauver tous ces gens ! Bien joué ! Ah!
préfère ça. Oh là là. Besoin d'un câlin. Ah là, merci Miles. On a réussi. J'ai prévenu les secours. Ils viendront s'occuper de tous ces gens. Ouais, bonne idée. Le métro déconne. La rame est coincée. Il y a un truc gluant sur les vitres. Donkey ? On est à Douglas Circle. On est plusieurs à être coincés. Donkey, tiens bon, on arrive. Super. Viens vite, Miro. Je t'aime. Je t'aime aussi. Pourquoi est-ce que Harry crée toutes ces choses ? Je crois pas que ce soit Harry qui ait fait ça. Du moins, pas celui que je connais. Alors qui ? Le symbiote ? Ouais. Je suis pas un expert, mais j'ai l'impression qu'il essaie de s'installer ici. Ces trucs. Il est passé où? Du verre maintenant. Pour l'instant, on doit sauver ta mère et Ganky. Fais gaffe! Tu n'as rien à voir avec ce que t'étais quand tu portais ce costume. J'aurais sans doute fini par lui ressembler si tu m'avais pas sauvé. J'essaie d'appeler maman et Ganky. Ils me répondent pas. Il faut qu'on entre là-dedans. Ça marche! Dès qu'on aura dégagé la zone. Et s'ils changent en l'une de ces choses? T'inquiète pas pour ça. On s'occupe de ces monstres et on y va. Ça a marché. Spider-Man, c'est toi? Ouais. Les portes sont coincées. Il faut qu'on déplace ces filaments. Allez, dépêchez-vous! Tous ces filaments sont vivants. Et reliés. Il doit y avoir un nerf central pas loin. Bingo! J'ai touché un nerf. Ils se rétractent! Mais ça suffit pas! Ils essaient encore de monter dans les trains! Il doit y avoir un autre centre nerveux par ici! Ouais, ça sent l'arène de combat par là. C'est trop gros pour une seule charge sonique. On peut en enchaîner plusieurs? Ouais, mais la synchro prendra du temps. Combien de temps exactement? Combien de temps? Peut-être un peu plus. Garde un œil sur ton sens d'araignée. Ça risque d'être chaud. Ils veulent vraiment pas de nous. Bon boulot. Super. Mais ils sont en train d'attaquer les trucs là-bas, j'ai pas vu. Mouvement.
Joli. On y est presque. Plus qu'une seule asynchro. Miles, tu m'entends? Il y a des tentacules à travers la vitre. Ça attrape ces gens. Accrochez-vous. On vous voit. Allez-y. Continue. Ça devrait plus être long. Encore quelques petites secondes. Ah voilà. Ça a marché. Ouais. On a réussi. On va sauver ta mère et Gangier. Salut Synep, bienvenue sur le live. Bon du coup, on est sur le mode d'histoire là de Spider-Man. Vie, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait comme tu m'as dit. J'ai mis de côté les choses qui me servaient pas. Allez. Okay. C'était atroce. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. C'est terminé. Tu sais, la fois où on est allé au mini-golf pour mon anniversaire où je t'ai battu, j'ai triché. J'ai mis la balle dans le trou pendant que tu regardais pas et... Ok. T'avais 8 ans. En vrai, j'ai jamais aimé les sandwichs que tu m'échangeais à la cantine. Mais je faisais semblant parce que je voyais que t'adorais le bunchan de ma mère. Et aussi, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Andy, elle est géniale. Et tu vas me tuer, mais j'ai une idée de suite pour Spin Nonagon. Attends, attends, quoi? Andy du cours de chimie? Mais elle est super cool. Tu nous as sauvés. Écoute... Je sais que j'aurais dû être plus présent. Je vais me rattraper. On passera plus de temps ensemble. Fais attention. Gangi, viens avec moi. Je vais te cuisiner un bon dîner. Maintenant, on trouve Harry. Je m'occupe du centre. Je vais en périphérie. Pendant que je cherche... Alors, c'est toujours la même mission ou quoi? Ah non. Alors, on va juste regarder vite fait un peu les compétences et tout. Des vieux trucs là. Et c'est des nids de Venom. Ah, c'est ces machins. Nids de symbiote, c'est bien ça. Du coup, au niveau des activités, un truc secondaire, je crois qu'on a. Ah non, là, il reste un truc à déverrouiller encore. Ah, mais c'est peut-être un truc comme ça justement. Vu que là, je suis pas allé voir dans les quartiers à cet endroit-là. D'ailleurs, c'est pas mal le fait qu'ils aient mis que la carte soit un peu grisée aux endroits où on n'est pas encore allé. Moi, ça permet de savoir ce qu'on a fouillé ou pas. Et après, du coup, de toute façon, les... comment s'appelle les... les activités secondaires, je les listerai pas. Je ferai des vidéos dédiées, en fait. Une vidéo dédiée, on enchaînera tous les affûts. Après, on fera une autre vidéo dédiée aux nids de symbiote et ainsi de suite. Ça sera plus simple pour vous pour retrouver les différents trucs si vous avez besoin. Du coup, là aussi, il y a d'autres activités, mais elles sont encore verrouillées. Ouais, bref. C'est un quartier ici aussi. Ah non. Ici, c'est une zone. Je pense que c'est une zone qui n'est pas accessible. Bon du coup on va continuer l'histoire principale, juste regarder un peu les trucs que j'ai déverrouillés. Là. Ok, tenue toile noire. Miles. Tenue Kuzuma. Tenue... Ah ouais, ça c'est la tenue du film. Du film Spider-Man Into the Spider-Verse ou un truc comme ça. Non, je sais pas si c'est pas elle qui est... elle est animée en fait. Elle est animée en mode genre un peu dessin animé en fait.
Les animations, elles sont saccadées quand on l'utilise. J'essaie de voir, c'est celle-là. Ah voilà, c'est ça. Félicitations, vous avez débloqué animation, dessin animé et effets comics. Désormais disponible pour toutes les tenues débloquées. Ces effets sont disponibles dans le menu options réglages graphisme. Donc c'est bien ça. Bref, alors les gadgets. Il y a la charge sonic. Je vais me passer pour l'améliorer. C'est pareil. Ouais, il manque des jetons, des pièces high-tech. Les compétences. Alors. Compétence de Miles. Du coup, il a plus accès à la tenue du symbiote, Peter. Le dernier coup du Spider Barrage libère une onde de choc pour en percuter d'autres cibles. Puis sur L1 et rond pour électrocuter les ennemis avec un fil de toile et les rendre vulnérables aux attaques. Et ça, la spider volée émet une décharge électrique qui étourne les ennemis près dans son rayon. Voilà, nid symbiote débloqué. Et prochaine mission, elle est où? Elle n'est pas encore active. Ouais, du coup, on va tourner dans le quartier et essayer de déverrouiller. On va se faire quelques crimes. Aujourd'hui, le théâtre d'un véritable bain de sang. À moins de vivre au fond d'une grotte, vous avez dû voir les récentes photos de Times Square et de l'assassinat brutal par un monstre non identifié du chef des chasseurs, Sergei Kravinov, plus connu sous le nom de Kraven. Mais voici l'information la plus importante à retenir de cet événement. L'horrible créature à l'origine de cet homicide arborait sur son costume le même logo qu'un homme araignée bien connu. Le jour que j'avais prédit... Il y a des gens coincés dans cette boutique. Aidez-moi. Restez à l'intérieur. Je laisserai personne vous faire de mal. Lancez des objets sur des ennemis. Tout le monde va bien? Par précaution, je vous conseille de rentrer chez vous dès que possible. Je regarde au niveau de la carte, je vais essayer de longer le bord de la flotte. Du coup, c'est à l'ouest. Peut-être Carrie est rentré chez lui. Ah bah voilà. Je devrais aller voir. Quête suivante qui s'est activée. Il rigole. Je préfère vous prévenir pour la prochaine fois. J'ai des yeux partout. Neutralisez l'araignée. On décolle. D'où viennent eux? C'est quoi ce match? Yeah!
a PV, le machin. Bon, t'y es passé? Ah bah quand même. Eh ben. Pas de problème. Je vais. Sacré berserker le machin. Oh mon dieu, merci. Chose aussi bizarre le bras et la jambe là qui sont gérés automatiquement par la physique. Des moments il se met dans des positions un peu bizarres. Voilà, on est arrivé. J'espère que le pire est derrière nous. Dieu te bénisse, Spider-Man. Je les ai tous eus. Je suis épuisé. Yes, level up. Monsieur Osborne, vous allez bien? Je me fais du souci pour Harry. Et je ne peux en parler à personne d'autre. Il n'est pas vraiment lui-même en ce moment. Et c'est ma faute. C'est la mienne aussi. Harry m'a... Aucun signe d'Harry. C'est quoi? Bon anniversaire, Emily. On dit que le temps guérit les blessures. C'est un mensonge. Chaque jour passé sans toi est pire que le précédent. Si je perds Harry, je ne sais pas ce que je ferai. Norman est vraiment malheureux. Il faut que je trouve Harry et que je le sauve. Ça fait un moment que j'ai pas de nouvelles d'MJ. Je devrais l'appeler. Oh, c'est trop nul. C'est trop bien. Vraiment? Vous avez trouvé le ton juste. Enfin, c'est du lourd. Tout le monde en parle en ce moment. Et ça, c'est du travail de rédac chef. Rédac chef. Félicitations. Bon, eh ben vous allez commencer par m'écrire plein de nouveaux articles pour demain matin. De l'émotion, de la controverse. Surtout, ne changez rien. Je change rien? Au boulot, allez! MJ? J'ai pas été virée du Bugle. En fait, je crois que j'ai eu une promotion. C'est ce que tu voulais, non? Oui, je croyais, oui. Bah alors c'est... C'est super. Écoute, y a un problème avec Harry. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attends, y a quelqu'un à la porte. C'est difficile à expliquer, mais promets-moi de pas t'approcher de lui, d'accord? MJ. Ah. Il était déconnecté. Qu'est-ce que t'as fait? Allez, MJ, décroche! Salut, c'est MJ. Oh non! Vous pouvez me laisser un message. Mais si c'est important, bah... Laissez-moi un texto. J'espère que ça va. Spider-Man, comment vous sentez-vous? Anxieux? Paniqué? Je... parlais des symptômes physiques. Douleur? Fatigue? Ouais. Attendez, les symptômes? J'ai parcouru des années de compte-rendu. Le symbiote canalise une sorte de... conscience collective. Cet esprit de ruche qui me tenait! L'usage de l'imparfait est optimiste. Il est peut-être toujours. Quoi? Pas de quoi paniquer, mais... Vous devriez passer au labo pour faire quelques tests. Je peux pas, Doc! J'ai le plus gros problème! Je dois y aller! Tiens bon, MJ!
MJ ! Où est-ce que... On boit le café, tranquille. Pete ? T'as l'air tendu. Un café ? C'est bien ça, hein. Bois un petit café, tranquille. Il faut qu'on parle. J'imagine que tu dois être fatigué de sauver le monde jour après jour. Mais je peux t'aider. Il faut juste que tu me laisses faire. C'est pas toi. Faux ! C'est le vrai moi. J'ai enfin le pouvoir de réaliser notre vision. Et vous ? Vous m'abandonnez ? Harry ? Il faut qu'on t'enlève ce truc, d'accord ? Arrête de nous appeler. Un truc. Harry ? Nous ne sommes pas Harry. Nous sommes Venom. Venom. Ah bien. Il a transformé lui aussi. D'accord. Voilà, j'ai fait une copine. Relâche-le ! MJ ! Casser les dents. Réponds-moi, s'il te plaît. J'en ai marre de parler, de réclamer votre reconnaissance. Ah, ok. On peut l'étourdir en faisant déclenchant les alarmes. J'en ai marre de parler, de réclamer votre reconnaissance à toi et à tous les autres. Reconnaissance ? Si c'est au sujet de ton boulot. C'est moi le sujet. Moi ! Pas mon boulot, pas cette maison stupide. Pour une fois, tu vas t'effacer. M'effacer ? MJ, qu'est-ce que tu veux dire ? Reste en dehors de ça. Je prends enfin les commandes. Je peux pas la blesser. Ne laisse pas te contrôler. Tu nous prends toujours de haut. Ah!
Ça peut faire du bien, ça. C'était la colonne sur le bord, le coin du muret, là. N'écoute pas ces voix! Elles ne disent pas la vérité! Je les ai entendues aussi! Je sais ce que ça fait! C'est toujours toi le sujet! Tu paies tous tes boulots! Tu ne peux pas payer l'hypothèque! J'ai un boulot! Avec Harry! On se débrouillera! Combien de temps encore? Il n'y a qu'un seul boulot qui t'intéresse! Spider-Man! C'est pas juste! Les gens ont besoin de moi! T'es au courant! Mais que ferait cette ville sans Spider-Man? Regarde ce qu'elle devient avec toi! Je peux encore tout arranger! J'y arrive toujours! Non! Oh, on y arrive toujours! Je passe toujours après toi! Je vis dans ton ombre, là où mes rêves se décomposent! C'est ça, la vérité! Qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu fais aide les gens! Bien sûr que t'as un impact! Allez, parle-moi! La ferme! Merde. MJ, stop please, no! Oh, c'était trop brutal! Tu te souviens de ton livre? Tu disais vouloir aider les gens! Personne ne l'a lu. Tout le monde s'en fiche. C'est pas vrai. S'il a pu aider une personne, ça valait le coup. C'est du combattre le symbiote. Vraiment, faut encore lui mettre une raclée. J'ai lu tes textes! Ça m'a aidé! Je ne fais que ça t'aider! MJ, je... Tu es en permanence en train d'interrompre ma vie! Je cherche des réponses, des pistes! Pourquoi? Ça fait mal! Je cherche des réponses, des pistes! Parce que tu as perdu ton job ou que tu te retrouves à sec. J'ai... Ah, il m'a tué. Tu te prends toujours pour le plus fort. J'ai essayé de contrer, mais ça va marcher. J'ai lu tes textes. Ça m'a aidé. Je... Arrête ce bruit. Arrête ce bruit. Je ne fais que ça t'aider. MJ, je... Tu es en permanence en train d'interrompre ma vie! Je cherche des réponses, des pistes! Parce que tu as perdu ton job ou que tu te retrouves à sec! J'écris des articles hypocrites pour un homme que je déteste! Pour que tu puisses être heureux! J'avais pas réalisé! MJ, tu peux démissionner! Je trouverai bien une solution! Ça, tu me saoules là un petit peu. Là. Il n'y a qu'en nous que j'ai confiance! Non! Je suis désolé, MJ! J'avais tort! Tu n'as pas à me faire confiance! Mais il faut que toi, tu aies confiance en toi! Laisse-moi faire ce que j'ai à faire! T'as raison, j'ai été égoïste! J'étais tellement pris dans ma vie que je pensais pas à la tienne! Mais maintenant, on va la jouer à la MJ! Je peux t'aider à résister! Je peux pas laisser MJ comme ça! Ne laisse pas te contrôler! Besoin de toi. La ville a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Arrête de mentir.
garder l'ascendant sur moi. Pourquoi? Tu sens que tu perds ta force? Quoi? Non! T'es bien plus fort que moi, à quel monde d'égard! À toi toute seule, t'arrives à porter nos deux vies à bout de bras! Je suis désolé, MJ! Je t'ai négligé! MJ a disparu! Non! C'est faux! Je suis désolé de t'avoir causé tout ce chagrin! La maison, mon travail, notre vie commune! Je t'ai promis de m'améliorer, mais... Ah bien! On m'a chopé pendant que j'étais en train de faire une attaque spéciale. J'ai pas pu la contrer ou rien faire. Moi, tu devrais pas avoir à te gâcher la vie pour pouvoir améliorer la mienne. Bien sûr. Voilà. Tu as toujours été arrogant. Tu veux garder l'ascendant sur moi? Pourquoi? Tu sens que tu perds ta force? Quoi? Non! T'es bien plus forte que moi, à quel monde d'égard! À toi toute seule! T'arrives à porter nos deux vies à bout de bras! Je suis désolé, MJ! Je t'ai négligé! MJ a disparu! Non! C'est faux! Je suis désolé de t'avoir causé tout ce chagrin! La maison! Mon travail! Notre vie commune! Je t'ai promis de m'améliorer, mais j'ai rien fait! Arrête ce bruit! Arrête ce bruit! Non! C'est faux! Je suis désolé de t'avoir causé tout ce chagrin! La maison! Mon travail! Notre vie commune! Je t'ai promis de m'améliorer, mais j'ai rien fait! J'aurais dû t'écouter! J'aurais dû être plus présent! On est une équipe! Toi et moi! Tu devrais pas avoir à te gâcher la vie pour pouvoir améliorer la mienne! Bien sûr que tes rêves ont la même importance que les miens! Tu me mens! Tu as la même importance! Assez! Arrête, parle-moi! On a assez donné! Esquiver, hein. Ah, peut-être elle l'esquivera pas. Non, c'est pas ce que tu veux. Comment tu peux savoir ce qu'on veut? Tu es Mary Jane Watson. Tu veux la vérité? Oui. Je veux la vérité. Peter! C'est moi. Je crois. Je crois que c'est moi. Tu es libre. Attends. Pas tout à fait. Alors, Watson, ils viennent se baigner aux pommes. Je crève de faim, moi, et je... Jonah, allez vous faire foutre. Je démissionne. Watson! T'es trop cool. Ha 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 ha!
Je vois le visage de MJ, on est vraiment dans Lucchini Valley. Ceux qui connaissent, c'est la vallée de l'étrange en français. Je sais plus qui c'est qui avait théorisé ça. Le fait d'avoir un visage qui se ressent, qui ressemble beaucoup en fait à des traits humains, mais pas tout à fait, et du coup, bah, on tombe dans la vallée de l'étrange, on dit. Avec des visages vraiment, notre cerveau il a du mal à comprendre ce qu'on a en face de nous, on voit trop que c'est bizarre. Le visage de FJ, c'est ça quoi. Vraiment dans le cannibalisme. Ruche là-bas. Je t'ai vu, Pete. Son regard bizarre, ouais, c'est vraiment chelou. Il cherchait une espèce de caillou. Miles est à l'hôtel de ville et... Vas-y. Je t'aime. Ouais, moi aussi, je t'aime. Après, c'est pas la seule. Hein. Il y a d'autres persos qui ont des visages quand même très étranges. Et voilà. C'est entre le faux et le réaliste. Et du coup, voilà, on a vraiment du mal à s'habituer à un visage comme ça. Quoi. C'est... Le cerveau, il bug à moitié. Quoi. Bref, trouble de la personnalité. Bon, on va enchaîner avec la suivante. Hôtel de ville, ça craint grave. Je me dirige là-bas. Ouais, pardon, ça... Ça, c'est compliqué. Je te rejoins tout de suite. Tu crois que c'est Harry? Forcément. Je viens de le voir dans le Queens. Il a transformé MJ en une espèce de symbiote. Au pire. Quoi? Il va bien. Il s'en est libéré. Plus vite que moi, heureusement. Connors pense que j'ai porté le costume trop longtemps. Et que j'en ai encore gardé des traces à l'intérieur de moi. Quand t'as dit que ça, c'était compliqué, t'exagérais pas? Chaque chose en son temps. A plus, Miles. Je me bouffe un mur. À toute. Ça me rappelle... J'ai un coup de fil à passer. Peter ? Hé, Madame Morales ! Vous êtes bien rentrée ? J'étais juste... enfin... Je voulais vérifier... Ça va, ça va. Et, Peter, il n'y a pas de problème. Mais la prochaine fois, réponds à mes appels. Je vous le promets. Je ferai plus attention. T'as intérêt. Maintenant, va aider mon fils. Chasseurs qui montent la garde! Le pas de ça chez moi! Est-ce que tu sais dans combien de temps on récupère? Et au-dessus de nous! Je préfère être franc, je suis pas hyper fan de l'embuscade! Ramenez-le à terre! Grenade lancée! Cool, non? Attention aux toiles! Je peux la voir! Oh putain! Ils m'ont pris en sandwich là, je peux rien faire. On le voit où le combo en fait? Ah oui, il est marqué en gauche. Pardon, mon combo, je suis à 21 là-haut, hein, les gars. Bien de la merde. Je sais pas pourquoi il s'est pas validé le défi bonus. Il me demandait de faire 20, je fais 21 et il me met que j'ai échoué. Mais bien sûr. Bon, bien codé tout ça. Juste avant d'arriver, j'ai regardé un peu au niveau des... ouais, y a un truc. J'ai regardé au niveau des compétences. On avait une nouvelle tenue aussi, je crois. Ouais. Tenue de toile. C'est quel Spider-Man, celui-là? Je crois que c'est une tenue d'un des films. Il me semble. Ouais, c'est la tenue discount. Une vieille cape, quoi. Et alors, peut-être améliorer un peu les trucs de Miles. Frapper les ennemis paralysés par les bioélectriques sur leurs capacités.
Méga décharge électrique émet un flash qui est aveugle, on avait déjà lu ça. Si le flux inversé affecte 4 ennemis ou plus, l'impact de leur regroupement génère 3 éclairs frappant des cibles supplémentaires. Vous confère un deuxième charme électrique, ah, c'est bien. Et le truc pour les deux. Ça du coup c'était quoi? Ok, ça recharge plus vite les super d'attaque. Vous pouvez maintenant réaliser 2 illuminations en hauteur simultanément depuis un filin de toile. Ah, ça peut être pas mal ça. Du coup on va améliorer les trucs dans cette arme là. Maintenez triangle, ah oui ça c'est le truc, on le fait aller de gauche à droite. Maintenez croix près d'un ennemi dans les airs pour lui infliger un coup, une attaque bondissante et le faire rebondir aussi. Et mauvaise nouvelle. Okay. La bonne, c'est que le Spider-Man original semble enfin être redevenu lui-même après s'être débarrassé de ce costume noir. La mauvaise, d'après des signalements, c'est que... Et si on faisait une pause? Attention! D'où ils sortent ces symbiotes? Voilà en balèze! Avec des copains! Ah oui, ils sont deux en plus! Ah bah c'est génial! Ah mais ils tirent des espèces de grenades rampantes là les autres, là, les violets. Hein. C'est bizarre. Vous abusez, vous mettez le truc d'esquive puis le moment où il arrive sur moi, mettez-le moi un peu avant. D'accord. Ah là là, mais je peux pas m'occuper des quatre. Ah bah ouais, il y a une bombe sous mes pieds. Génial. Ah là là. Les sacs à PV. Genre plaisir. C'est déjà un truc qui me gonflait un peu dans le premier Spider-Man. On joue Spider-Man. Le mec, il est capable de soulever une voiture à main nue, à exploser tout et n'importe quoi, et détruire un mur à coups de poing et tout. Il se bat contre des petits humains là, de base là, et il met 4 heures à les défoncer quoi. Putain. C'est pour ça que je me force à chaque fois à utiliser en fait des toiles pour les coller quoi, parce que pour en débarrasser plus vite. Il y a une raison à ce déferlement de violence. Sinon ça sert à rien. Tiens, excellent. Je ne commenterai pas une affaire qui est en cours. Partez, quoi. Je peux vous confirmer. Moi je peux répondre à la télé. Marco est détenu en garde à vue et que nous ferons tout notre possible pour faire appliquer la sanction la plus sévère. Elle parle de Marco. Merci capitaine. Vous l'avez entendu, l'homme sable est entre les mains des forces de l'ordre. Reste encore à savoir ce qui a pu déclencher ce terrible carnage. Toujours que t'aies raison. Si seulement ma femme avait entendu ce que tu viens de dire. Mais là, vous voyez, je suis bloqué sur un mur invisible, en fait. C'est tout. Qu'est-ce qu'il... J'essaye de m'approcher de lui, en fait, et il y a une boîte de collision autour de lui. Du coup, j'arrive pas à m'approcher suffisamment de lui. J'en reviens pas. Bizarre, parce que normalement, les persos, on est censés pouvoir un peu les... Ouais, lui, j'arrive bien à me coller à lui, quoi. Enfin, plus que l'autre en tout cas là-bas. Mais lui, il y a vraiment une grosse boîte de collision tout autour de lui. Enfin bref, ouais, désolé. On va continuer. On va faire la quête. Ouais, bref, ils me saoulent avec leur sac à PV. Là. Le pire, c'est qu'ils ont réussi à nous sortir des méga symbiotes là. J'ose même pas imaginer la barre de vie qu'ils ont. Heureusement, l'équipe de nettoyage est arrivée. C'est encore pire que ce que je pensais. Aucun signe de vie. Il est forcément ici.
Genki m'a dit qu'il y avait des civils coincés à l'intérieur. Apparemment, cet endroit leur servait d'abri. On les sortira de là sains et saufs. Attends, mais d'où ils sortent tous? On dirait qu'il veut se faire une armée. Sa version à lui, c'est qu'il essaie de guérir le monde. Je reçois des messages sous ses ennemis. À l'intérieur de l'hôtel de ville. Ils essaient d'évacuer par le toit. Il vaut mieux dégager le passage. Il y a une sortie de secours là-haut. On y va. Mais vas-y, tu me saoules la crève. Quand même. Après là, je veux bien que les symbiotes soient plus résistants que les humains, quoi. Il est tout bugué. Miles à gauche. Ils ont fait une attaque combinée, mais il n'y avait pas la place de le faire. Ah, ah non, je croyais qu'il était encastré dans le sol. Ah, j'adore. Position. Là là, ouais. T'en sors, Miles? T'as besoin de moi ou pas? Bon, je m'amuse un peu, je regarde les trucs qui ont bugué. Bon, après, c'est pas vraiment un bug, c'est surtout comment dire. Quand on tue un ennemi, en fait, le corps, il part, il est géré par la physique du jeu, en fait. Donc il part un peu dans tous les sens, le corps, et quand il doit toucher le sol ou un élément du décor, il doit, et le, comment dire, le modèle 3D, il se fige, en fait, par rapport à la façon dont il a atterri au sol, quoi. Comme on le voit, là, d'ailleurs. Ah. Vous voyez, ils ont dû se rendre compte que ça faisait de la merde de temps en temps, et du coup, bah voilà, ils ont mis un système que quand on regarde ailleurs, c'est un modèle 3D qui est posé bizarrement, bah ils vont le poser dans une position un peu plus normale. Je vais aller voir l'autre là. Ah oui, vous voyez, lui ça fait pareil. Il est plus du tout dans la même position que tout à l'heure. D'ailleurs, il s'est réveillé tout à l'heure, il bougeait pas quoi, je veux dire, il était figé. On m'a signalé une fenêtre cassée quelque part dans le bâtiment. Allez, Miles, il faut qu'on se dépêche! Oh là là! Je sais que leur grenade sur patte. Ça a l'air chaud là-dedans. On est sur le coup! T'es bugué, t'étais bugué. Plus rien. Ah voilà, c'est bon, c'est sorti. La caméra, c'était magnifique. Ouais, c'est bon. Faut les sortir de là. Oh là là, ils sont relous, ça. On va jouer Miles, non? Spider-Man! Mais toi aussi, t'es Spider-Man, on t'a déjà dit. Vas-y, on voit une décharge électrique, là. Négatif. Qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que tout va bien? Spider-Man! Il m'a dit qu'il restait de ces choses à l'intérieur de lui. Je vois. Je pense que je peux réussir à les retirer. Mais je dois aller à la source. Alors j'y vais avec vous. Quoi maintenant, Lee? Trouver Spider-Man. Cette matière noire devrait nous conduire à lui. Ah!
J'arrive. Ah ouais, voilà, vous voyez, j'ai sa tenue là du dessin animé. Spider-Man. Et du coup, en fait, son animation, elle est saccadée. Ils entrent dans leur tête, corrompent leurs désirs. Alors, ils vous font de la concurrence? Je sais que tu plaisantes, mais tu ne crois pas si bien dire. Cette chose, elle crée mon pouvoir d'une certaine façon. Et je... Nous sommes les seuls à pouvoir trouver où elle vit. Donc on élimine cette chose à la racine, et Spider-Man est libre. Oui, c'est le plan. Alors d'accord. J'ai changé la tenue parce que j'aime vraiment pas comme elle est. Bon, on va mettre la tenue de base. Le design est sympa, mais j'aime pas comme elle est animée. J'ai envie d'aller changer le... dans les paramètres, dans les options. Ok. On affaiblit le symbiote. On reprend le contrôle. Grâce à nos pouvoirs, on sauve Spider-Man. Par où on commence? On doit trouver la source de sa souffrance. Suis-moi. Je vais te mener à l'endroit le plus sombre. Mais j'ignore ce qu'on y trouvera. Le raft. Home sweet home. C'est toutes les personnes qui l'a arrêté. Je comprends pourquoi Spider-Man a choisi cet endroit. Après tout, nous sommes tous ici à cause de lui. En bas, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Je crois... Ah, d'accord. Scorpion. Un arme électrique. Et Rhino. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va falloir tous les affronter. Lee? C'est une évasion! Je suis étrangement soulagé de vous voir! Je tâcherai d'être à la hauteur! Hey! Il y en a d'autres! Encore? Allez! Rien à faire! J'arrive pas à les ralentir! Je dois continuer à battre! Tous ces gens qu'il a arrêtés! Ils reviennent sans arrêt! D'arrêter des criminels pour les voir s'enfuir! Et causer du tort à nouveau! Ça fait partie du job! Il le sait bien! Comment ça? Et de croire aux secondes chances! Oh mais... ça s'arrête! Jamais! Ça suffit! J'ai compris! C'était vous, ça? Non. Le symbiote... il les a tués! Il a résolu le problème. Ce n'est pas ce que pense Pete. Non. Mais c'est peut-être ce qu'il ressent. Tous ces malfrats... il pensait sincèrement que le costume réglerait tout. Qu'est-ce que c'est? Moi? Vous l'avez beaucoup fait souffrir. Une dette. Que je devrais rembourser tout le reste de ma vie. Il y a quelque chose maintenant. Proche. À la maison de May. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'elle, Pete. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Vous restez obnubilé par une facette de notre vie. Le reste tend à s'effacer. Quelle bonne surprise! Viens me voir. Oh non. La recherche de l'équilibre est un marathon. Ce n'est pas un sprint. C'est elle. Elle est morte à cause de vous. Et Peter? Vos pouvoirs. Bien efficace. Même effet ici. Ouais. J'ai l'impression.
voilà au fist. J'ai dédié toute ma vie à cet endroit. Et c'est certainement la dernière fois que j'en vois l'intérieur d'aussi près. Même si je ne le mérite pas. Lee, pourquoi vous avez fait ça? Vous vouliez quoi exactement? Me venger. Mes parents sont morts à cause de Norman Osborn. Alors j'ai tout fait pour que sa vie soit un véritable enfer. Je suis désolé, Miles. Là-haut, c'est la source. Si on s'en débarrasse, nous devrions pouvoir le sauver. Un autre moyen. Peut-être que... Il y a bien une autre option. Si j'arrive à transférer tout mon pouvoir vers le symbiote, ça pourrait le neutraliser et délivrer Peter. C'est pas risqué pour vous? C'est ce qu'on va découvrir. Bon. Si... C'est ma dernière chance de vous parler, franchement. Je vous pardonnerai pas. J'en suis pas capable. Mais je peux pas continuer à vous détester comme ça. Alors on règle ce problème. Tous les deux. On va voir. Ah, retour des sacs à PV. Pourquoi ne pas m'avoir donné ce pouvoir avant? Ça m'aurait aidé. Je te l'ai pas donné. Ah bon? Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Vite, repousse-les. Remercier de m'avoir fait confiance. Ouais, ben, comme vous dites, soyez à la hauteur. Essayez ma méthode, un de ces quatre. Franchement, comme héros, j'aurais pas été très convaincant. Essayez et vous le saurez. C'est de ma faute. Je suis désolé. Je suis désolé.
désolé. Pete. On a réussi. Allez, Spider-Man. Miles. Spider-Man. Spider-Man, debout! D'accord. Ouais, sa tenue symbiote. Partez! Je m'en occupe. Alors, lorsque les symbiotes ennemis sont exposés à vos attaques anti-venom, ils sont affectés par l'anti-venom et subissent des dégâts supplémentaires. C'est bien plus qu'une nouvelle tenue. Ouais, sympa. Nice! Ça sort d'où ce truc? Avec lui, on a allé dans ta tête pour supprimer les restes de symbiote. Il a dû se vider de ses pouvoirs pour te sauver. Putain. J'étais en train de regarder autre chose, j'aurais pas dû. C'est bien plus qu'une nouvelle tenue. Wow, c'est quoi ça? Nice. Ça sort d'où ce truc? Avec lui, on a allé dans ta tête pour supprimer les restes de symbiote. Il a dû se vider de ses pouvoirs pour te sauver. On dirait bien que ça a marché. Attends, vous avez fait équipe? Je vais quand même pas te laisser mourir. Miles, on pense de trop te dire merci. J'ai l'impression que ça opère de sa valeur. Pas grave, t'inquiète. Je ne mérite pas ce pitié. C'est irréel. Théo, mon grand. Et si on remettait ça? Bon, je les ai calmés. On a bien failli te perdre. Je devrais vous remercier. J'ai gaspillé des années de ma vie à courir après la vengeance. Et au final, j'ai tout perdu. Vous m'avez rappelé que je valais mieux que ça. Que sauver une personne, c'est sauver le monde. Qu'est-ce que vous allez faire? Arranger les choses. Comme vous. Vous allez se rendre à la police. Wow. T'as reconverti ton ennemi juré. Moi, j'ai jamais fait ça. MJ a peut-être raison. La ville n'a plus vraiment besoin de moi. Puisque tu es là. Je suis pas sûr. J'ai quand même l'impression que deux Spider-Man ne sont pas de trois. Fichons le camp d'ici.
Yes, ouais, bien sympa cette nouvelle tenue. Du coup, on va être un peu plus fort contre les Venoms, quoi, les symbiotes. J'ai eu un contretemps. Je crois que Miles m'a sauvé la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il restait des traces de symbiote en moi. Ça a commencé à prendre le dessus, même. Martin Lee m'a donné son pouvoir. Mais c'est différent. Les voix sont parties, il reste plus que le pouvoir. C'est incroyable. Et Pete, je voulais juste que tu saches. On a retiré ma signature de l'article. Et j'ai aussi donné mon préavis. Ça veut dire que... Ça veut dire que si jamais le monde doit se transformer en cauchemar alien, c'est avec toi et personne d'autre que je veux me retrouver englué. Ben, c'est réciproque. Continue de chercher, Harry. Je te ferai signe si j'entends quoi que ce soit. Ok. Pendant que je cherche Harry, je devrais regarder qui a besoin de mes speeder services. Yes, bon, du coup, je vais arrêter là. Je fais une petite sauvegarde. Voilà, je suis en train de faire tourner la caméra autour là, pour faire un petit panorama pour venir. Je viens de me rendre compte qu'en fait, je sais pas si vous voyez les lumières, en fait, quand je bouge un peu, qui sont sur le pont là-bas. Les lumières jaunes et puis les vertes là-bas. Si je fais bouger la caméra et que la tête de Spider-Man passe dessus, en fait, les lumières, on les voit à travers pendant quelques secondes. Assez bizarre. Attendez. Chers auditeurs, vous aurez sûrement du mal à y croire, mais comme toujours avec moi, ceci est la stricte vérité. Vous voyez, on les voit, en fait, les lumières sur la tête de Peter. Ont émergé même sur son dos. En ville. Là, on les voit sur son dos. Des monstres. Je sais pas comment elle fonctionne, le système de lumière. C'est pas lié au ray tracing, ça. Ça fait bizarre. De nombreux récits font... Et du coup, sur les vertes aussi, ça fait pareil. Là. De familles déchirées, d'amis, de proches manquants. Si vous voyez, hop, on les voit pendant quelques secondes, pendant une demi-seconde, on les voit à travers le corps, en fait. Les créatures nous en veulent et nous enlèvent. Franchement, ouais, je sais pas si c'est lié au ray tracing, cet effet, mais c'est un peu crade. Mais aujourd'hui, plus que jamais. Ouais, bon, voilà, je fais exprès de le montrer. Parce que sinon, en jouant normalement, on s'en prend vraiment compte. Et là, en plus, on le voit parce que bah, c'est la... C'est, comment dire, c'est le crépuscule, je crois. Ou peut-être l'aube. Non, je crois que c'est le crépuscule. Ça dépend, le soleil, il arrive d'où? Là-bas, à l'ouest, il est... Ouais, donc ça doit être le crépuscule. Mais ouais, du coup, est-ce que ça le fait avec les autres lumières aussi? Non, c'est vraiment que les lumières du pont. Allô? Il est là, dans mon labo. Je dois appeler Miles et rappliquer vite fait. Ouais, Miles, bref. Moi au labo de Connors. Je crois qu'Harry est là-bas et ça se présente mal. J'arrive. C'est pas terrible. Mais attendez, j'essaie avec un autre costume pour voir si c'est lié au costume. Désolé, hein, ça m'intrigue en fait, j'essaie de comprendre pourquoi ça fait cet effet. Ah non. Tu devrais me mener au labo. Pas lié au costume, vous voyez, ça le fait encore. Harry, il est là. Je sais que je peux l'atteindre. J'espère qu'il fera pas mal à la Connors. Je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas pourquoi ça fait ça, quoi. Ouais, bon après voilà, c'est pas la mort. Hein. Bon, que je me rendais compte qu'il y avait ce petit défaut visuel. Quoi. Voilà. Bon, attendez, je vais juste remettre l'autre costume. Ouais, et puis voilà, puis ben, du coup je vais arrêter la session là. Pour ceux qui sont en live, du coup je vais arrêter juste pendant un petit quart d'heure. Là, faut que j'aille m'occuper de mon chien, le sortir. Voilà, dernière balade avant la nuit, quoi. Bon, avant d'aller se coucher. Et puis voilà, puis du coup, d'ici un petit quart d'heure, je reviens et du coup, on enchaînera avec une petite session sur Starfield. J'espère que je continue là où j'en suis. Voilà. Bref, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir suivi la session. Voilà, bon, peut-être qu'elle vous sera utile du coup. Et puis, bah du coup, on se retrouve demain pour continuer notre aventure sur Spider-Man 2. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao.